continue. Ici, j'ai traduit le texte rapidement des deux paragraphes que vous avez ici. Le premier, le 29 juillet et le 8 août. OK? Et je l'ai traduit en français parce que je comprends instantanément ce que je vois en anglais, mais je ne suis pas un bon traducteur, donc ça me prend du temps à réfléchir pour la traduction et c'est un peu boiteux. Donc, vous avez pour votre bon plaisir ici une traduction là, de ces deux textes-là. Je peux vous le lire. Ici, les choses, ça c'est Marc Kedger, ça c'est le 29 juillet 2000. Ici, les choses sont un peu désagréables. Un incident de cette forêt a commencé plus bas sur la montagne, à environ 17 heures. Nous avons été avertis que le feu, le pire de la Palma depuis quelques années, était hors de contrôle et pourrait nous rejoindre en une heure. Et finalement, on voit que le feu a été juste à côté de la station. Il n'a pas brûlé la station finalement, mais il s'est arrêté juste au pied de la station. Je vais vous montrer des photos immédiatement après. La lecture du deuxième paragraphe ici, encore Mark Kedger qui dit « Toute une série d'amateurs m'ont pointé leur propre image de la fragmentation. Le meilleur que j'ai vu jusqu'à présent a été celle de Jamesville en Californie. Par une drôle de coïncidence désagréable, ces observations ont également été entravées par un incendie de forêt à proximité. » Wouhou! Eh bien, quelle coïncidence! Et ce sont des circonstances, des comètes qui ne sont que des boules de neige qui fondent, poussiéreuses, si vous voulez. C'est ce que la NASA nous dit. Et voyez-vous, ici, ça ne peut pas être des hasards. Et c'est pour ça que j'ai pris du temps de vous expliquer. Certains, vous allez trouver que c'est trop technique, mais continuez d'écouter les capsules, parce qu'à la fin, avec les prophéties, il y a bien des choses que vous allez comprendre. Vous allez y trouver votre partie. Vous allez aimer ce que vous allez entendre. Ça va vraiment vous mettre en état de choc, si je peux m'exprimer ainsi. Maintenant, on voit ici, ça c'est une copie du journal. C'est Space Flight Nord. Et bon, le 31 juillet 2000. Et voyez-vous ici ces fameux observatoires. Ici de la Palma dans les îles Canaries. Okay? Vous voyez la photo et vous voyez que l'incendie ici a été très proche. Ça, c'est l'observatoire et on voit le feu ici. Écoutez, c'est des faits. Je vous montre des faits. On va maintenant écouter un petit extrait vidéo qui vous montre vraiment l'événement de comète Hellenin lorsque, selon Matiaso, elle se serait désagrégée. Et vous allez voir une comète qui perd de l'intensité lumineuse, mais vous ne verrez aucun fragment. Ça prouve absolument pas. On ne voit aucune fragmentation de cette comète-là. Et elle semble avoir des signes avant-coureurs d'une fragmentation, mais on ne peut pas conclure à une fragmentation avec l'extrait que je vais vous montrer là.